Bonsoir, bienvenue dans Talkback GP pour cette édition spéciale consacrée à Fabio Quartararo puisqu'il a été l'invité de la conférence de presse dans le cadre du Grand Prix des Amériques qui se déroule ce week-end sur le circuit d'Austin. On va pouvoir débriefer cette conférence de presse puisque Michel Turcot et Thomas Morcellino sont nos envoyés sur place. Ils étaient présents à cette conférence de presse. Bonsoir Michel. Salut. Bonsoir Thomas. Salut Eric, salut à toutes et à tous. Alors, on le disait, hein, on va passer un petit peu de temps sur Fabio Quartararo parce que depuis l'annonce de sa prolongation chez Yamaha vendredi, il ne s'était pas exprimé en public, alors ce qui avait laissé place à pas mal de spéculations et notamment la plus importante des rumeurs, c'était de dire que Fabio avait re-signé chez Yamaha pour l'argent. Donc, durant la conférence de presse, il a un peu remis les choses au point, Michel, en disant que c'était avant tout le projet qui l'avait décidé. Est-ce qu'on peut dire que c'est un discours de circonstance ou est-ce qu'il y a vraiment des éléments qui vont dans ce sens? Je pense qu'effectivement, il y a des éléments rassurants, on va dire. Mais bon, la partie financière, il ne s'en cache pas, elle a aussi son rôle. Dans ce choix, voilà, c'est un montant important par rapport aux autres offres qui lui étaient faites. Donc voilà, l'argent compte. Après, voilà, comme il l'a dit, Yamaha l'a convaincu de voilà, il a déjà eu cette année des indicateurs. On sait que Yamaha a recruté Max Bartolini, qui vient de chez Ducati, qui est un ancien bras droit de Dalinia. Donc voilà, des efforts sont faits. Pour l'instant, malheureusement, ça se traduit pas par des résultats et des performances, mais il veut y croire. Et puis, comme va nous le dire Thomas, qui s'est aussi entretenu avec Fabio, voilà, il y a des choses dont il peut pas encore parler, mais qui en termes de recrutement, devrait aussi renforcer l'équipe Yamaha dans les mois à venir. Ouais, alors justement, avant de rentrer sur ce chapitre-là, on rappelle qu'on est en direct ce soir. Donc si vous le regardez et que vous voulez interagir avec nous, n'hésitez pas à commenter. Je vous précise que la meilleure question, ou en tout cas la plus pertinente, eh bien, vous permettra de gagner cet ouvrage de Michel Turcot, le Fabio Quartararo, champion du monde, un truc de ouf. Alors justement, Thomas, Michel en parlait, outre les garanties, Fabio a expliqué qu'il avait eu énormément d'offres. Alors on sait qu'il y avait Aprilia, mais est-ce qu'il y avait d'autres offres concrètes sur la table pour Fabio? Oui, effectivement, c'est ce que me disait tout à l'heure Fabio. Il y avait tous les constructeurs apparemment qui lui faisaient une offre. Donc voilà, il a pesé le pour et le contre, comme disait Michel. Il y a des garanties, même si sur les garanties, lui, il m'assure aussi que forcément, c'est difficile d'être sûr et certain sur les prochaines années d'avoir une moto compétitive. Bien évidemment, c'est logique, on ne peut pas savoir de quoi l'avenir sera fait. Mais ouais, il a clairement précisé qu'il avait eu des offres de tous les constructeurs. Alors, il dit aussi, et je l'ai noté hein, durant la conférence de presse, un point qui est très important pour lui, c'est l'intérêt de Yamaha et la valeur que Yamaha lui a accordée en tant que pilote. Est-ce que ça flatte son ego, bien évidemment, mais est-ce que c'est aussi le fait de se dire que derrière, on a une équipe, qu'on va travailler autour de soi, c'est ce qui peut faire aussi la différence que, par exemple, s'il était allé chez Aprilia, il serait inscrit dans un projet et non pas la marque se serait inscrite sur lui, Michel ? C'est évident qu'aujourd'hui, Yamaha compte énormément sur Fabio. Il a été, c'est le dernier champion du monde Yamaha. Voilà, c'était en 2021. Ça commence à dater. Mais voilà, il sait aussi que Yamaha lui a donné la possibilité de débuter en MotoGP en 2019. Que cette saison 2019 avait été extraordinaire. Hein. Il termine meilleur rookie. Il est sur le podium. Et il manque la victoire de peu face à un Marquez des grands jours. Donc voilà, il a écrit son histoire en MotoGP avec Yamaha. Yamaha donc lui a fait une offre financière supérieure à toutes les autres. Après, qu'est-ce qu'il avait d'autre comme possibilité? Alors effectivement, les autres constructeurs, il dit tous les constructeurs s'intéressaient à moi, mais globalement, il y avait qu'Aprilia qui lui proposait une place dans une équipe officielle. Donc oui, peut-être qu'il avait la possibilité de signer chez T3 pour remplacer Augusto Fernandez. Peut-être qu'il aurait pu avoir une place dans une des équipes satellites Ducati. Peut-être, certainement. Après, il y avait aussi Honda. Mais bon, voilà, aujourd'hui, c'était soit aller chez Aprilia avec une moto qui peut gagner, soit rester chez Yamaha avec une moto qui, il espère, pourra gagner l'année prochaine.
Alors Thomas, tu disais que quand tu t'es entretenu avec Fabio, il disait qu'il y avait encore des informations qu'il ne pouvait pas divulguer. Est-ce que tu penses, comme on l'entend maintenant de plus en plus, que l'arrivée d'une deuxième équipe satellite est d'ores et déjà actée chez Yamaha et que ça va peut-être aller dans le sens aussi du travail que Yamaha va fournir autour de ces quatre motos, s'il y a quatre motos? Oui, bah bien sûr, c'est sûr que ça pèse dans la balance. J'imagine des garanties qui lui ont été avancées. Et là, on sait, il y a un bruit de couloir dans le paddock. On ne sait pas si Yamaha fournira VR46. On ne sait pas si Yamaha fournira enfin, Pramac l'année prochaine. Donc, il y a des discussions qui sont faites. J'ai posé la question à Fabio de savoir ce qu'il préférait, s'il préférait que des Yamaha soient hébergés par VR46 ou par Pramac. Il préférerait Pramac. Donc, voilà, même s'il y a aucune, il a aucun élément de réponse concrète par rapport à ça, à son feeling, il aimerait bien avoir ça. Que ce soit ça l'année prochaine. Alors, il y a aussi un point hein, sur lequel il a été un petit peu aiguillonné durant la conférence de presse, c'est sur le fait qu'il s'était beaucoup plaint sur la saison dernière notamment et qu'il avait commencé à se plaindre cette année. Du coup, il a expliqué qu'il ne se plaignait pas, il constatait ce qui se passait actuellement. Est-ce que ça aussi, ça va jouer sur cette saison 2024? Est-ce qu'on peut dire d'ores et déjà, Michel, que cette saison 2024, Yamaha et Fabio la considèrent comme une séance d'essai grandeur nature pour capitaliser et vraiment redevenir performant entre 2025 et 2026? Bah, il sait que, oui, enfin, ils sont conscients chez Yamaha que aujourd'hui le retard est vraiment important et que ça va être difficile d'aller jouer des victoires. Bon, même si l'an dernier, là, on a eu quelques podiums malgré tout. Après, bon, ce qui laisse un peu circonspect, en tout cas, qui me laisse circonspect moi, pardon, c'est qu'on voit aujourd'hui Ducati, KTM faire des essais, notamment à Jerez. Là, il y a encore Paul Espargaro et Dani Pedrosa qui roulent à Jerez. On sait que chez Honda aussi, il y a eu pas mal de tests avec Bradle, même avec Luca Marini. Et chez Yamaha, on n'entend pas trop parler de Calcrocchio qui teste. Donc c'est vrai que c'est bon. Moi, je veux bien qu'il y ait une volonté chez Yamaha, mais pour l'instant, on reste sur des mots, sur des paroles. Après, pour revenir brièvement sur l'histoire de l'équipe satellite, c'est évident que Fabio a dû avoir des garanties là-dessus. On sait que Lynn Jarvis prendra sa retraite en fin de saison, donc il va passer la main. On ne sait pas trop encore à qui ni comment. Quoi qu'il en soit, c'était aussi pour Lynn Jarvis une priorité d'assurer Quartararo, d'assurer le, enfin voilà, la signature de Fabio, le maintien de Fabio dans l'équipe. Si Fabio aussi signait aussitôt, c'est certainement qu'il sentait que si c'était pas lui, ben il peut y avoir une grosse offre faite à par exemple à Jorge Martin. Donc ça aussi, ça a dû peser dans la balance. Et concernant l'équipe satellite, a priori, ça ne sera pas VR46 parce que le sponsor indonésien de VR46 n'a pas envie d'avoir des Yamaha. Il veut être performant l'année prochaine. Enfin voilà, ils n'ont pas envie d'attendre. Ils ont mis de l'argent, beaucoup d'argent. On parle d'un budget de 5 millions d'euros pour avoir des résultats avec VR46. Donc voilà, on peut imaginer que Pramac aujourd'hui tienne la corde pour récupérer des Yamaha l'année prochaine avec des conditions qui seront financières qui seront très intéressantes de la part des Yamaha. Est-ce à dire dans ce que tu nous expliques, Michel, que on l'a dit, il y avait une part évidemment sur le côté financier, mais que pour Fabio, c'était quitte ou double, c'est-à-dire qu'il pouvait peut-être faire encore un petit peu traîner les négociations au risque de se retrouver en porte-à-faux vis-à-vis de Yamaha face à Jorge Martin, parce que on sait que Jorge Martin, lui, ce qu'il veut l'année prochaine, c'est un guidon officiel, hein, même s'il a du matériel officiel, il veut le statut de pilote officiel. Est-ce que tu penses que quelque part sa décision, elle s'est faite malgré tout un petit peu contrainte et forcée, j'allais dire. Alors, c'est peut-être des grands mots, mais il y avait peut-être urgence à réagir? Bah, en tout cas, on va quand même rappeler quelque chose, c'est que Fabio n'a plus d'agent. Il a plus, voilà, il s'est séparé d'Éric Mahé l'année dernière, donc aujourd'hui, il travaille seul. Alors il y a Thomas Mauban, son ami, qui l'aide. Et bon, Thomas, il n'est pas agent. Donc il a décidé de se débrouiller tout seul par rapport à tout ça. Donc aujourd'hui, les négociations, quand on est pilote et qu'on n'a pas d'agent, c'est quand même plus compliqué. Donc c'est plus facile de subir la pression et de se faire mettre, entre guillemets, un couteau sous la gorge et au plus vite.
Après, on peut quand même Donc aussi voilà, se je pense dire. que les choses auraient pu être un peu différentes. Ouais, Thomas, vas-y. Après, on peut aussi se dire que Rince n'a pas de contrat pour l'année prochaine. Si, je ne sais pas s'il a signé pour 2 ans. Je ne crois pas. Hein. Donc, on peut se dire aussi que la place pour Martin est toujours faisable. Je ne sais pas. Toi, tu verrais bien une cohabitation Fabio-Martine, Thomas. Bah, pourquoi pas? Je ne sais pas. Je sais pas. Je veux dire, ça reste. Il y a toujours une opportunité chez Yamaha potentiellement l'année prochaine. Enfin, je ne crois pas que Rince ait signé 2 ans. Donc. Enfin, moi, je pense qu'il a, il a un contrat de 2 ans, mais à vérifier. Ouais, c'est à confirmer, mais si c'est tel est le cas, il reste potentiellement une tâche finalement. Enfin, en tout cas, oui, mais vu le montant du contrat de Fabio, si d'aventure Rins n'avait pas de contrat avec Martin, on rejoignait Fabio, ça serait avec un salaire bien moindre. Et on sait qu'aujourd'hui, Martin se plaint énormément d'un manque de reconnaissance. Voilà, il s'est plaint au Portugal qu'on parlait de Costa, de Marquez et pas de lui alors qu'il avait gagné. Il se plaint de ne pas avoir une place dans une équipe d'usine alors que c'est lui qui challenge le mieux aujourd'hui, depuis l'an dernier, Bagnaia. Donc, on n'imagine pas Martin aller rejoindre Yamaha pour la moitié du salaire de Quartararo. Alors justement, puisqu'on parle d'argent et d'espèces sonnantes et trébuchantes, on a entendu tout et son contraire sur ce qui avait fait la décision de Fabio de re-signer chez Yamaha. On parlait d'une somme de 12 millions d'euros par saison. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus dans les allées du paddock d'Austin? Est-ce que ces chiffres ont été revus, corrigés? Qu'est-ce qu'il en est, Thomas? Ah bah écoute, moi ce dont j'avais discuté avec Daryl Ramadier, qui est proche de la presse espagnole, c'est que c'était plutôt 6 millions sur 2 ans et pas 12 millions par an. Pas 6 millions, pardon, excusez-moi. 12 millions sur 2 ans, pardon, et avec 6 millions par an et pas 12 millions par an. Maintenant, même quand on en parlait, quand j'ai posé la question à Fabio, il est pas à l'aise avec ça. Il dit que c'est pas ça qui a fait pencher dans la balance, comme Michel disait tout à l'heure. Bien évidemment, il y a une partie qui compte. Ça reste un argument. Il y a un paramètre à prendre en compte quand on signe un contrat. Mais c'est pas ça qui pour lui, c'est pas le critère principal. Et en tout cas, il n'a pas voulu me répondre, en tout cas, sur la somme, ça c'est sûr. Alors, a priori, ce qu'on sait, c'est que ça a été signé au Portugal, hein, visiblement. C'est ce qu'il a expliqué durant la conférence de presse, Fabio. A priori, il y a eu des grosses, grosses discussions le jeudi. Et donc, ça s'est fait au Portugal. On sait que le mardi, il y avait la conférence de presse du Grand Prix de France qui suivait le Grand Prix du Portugal. Il n'était pas là parce qu'il était a priori blessé. Est-ce que c'était plutôt une excuse diplomatique pour finaliser ces discussions, tu penses, Michel? Ah, non, il dit que c'est signé le 4 avril, c'est-à-dire la semaine dernière. La photo, par contre, la photo qui est sur le communiqué de presse, effectivement, a été faite au Portugal, puisqu'elle est dans le, elle a été faite dans Oui, le dans le camion mobil-home, hein. Yamaha. Donc, il dit qu'ils sont mis d'accord, ils sont tombés d'accord au Portugal, mais que voilà, le contrat est signé le 4 avril. Voilà, ça, c'est pour les explications. Alors maintenant, la question, évidemment, c'est que va devenir cette saison 2024 pour vous? Maintenant, il a fait le choix de continuer avec Yamaha. Il est clair que Fabio, il va devoir changer son discours, changer non pas son attitude, mais être un petit peu plus, je dirais, dans le body language positif et dans ses déclarations un petit peu plus positives, même quand c'est compliqué. Qu'est-ce que vous attendez de cette saison 2024, maintenant qu'on sait de quoi son futur sera fait? Fabio me disait tout à l'heure que de toute façon, il sait que cette année, c'est une année où il aura pas la moto pour gagner. Il sait qu'il va y avoir une inertie le temps que tout se mette en place, que les effets de Massimo Bertolini soient évidents, que les effets de aussi Marco Nicotra, de lui aussi débauché de chez Ducati, fassent effet. Donc, il sait que cette année, ça va être, il ne faut pas s'attendre à des grands, grands résultats. Faire quelques podiums, faire de belles choses, certes, comme il le dit. Mais clairement, ça, les résultats, il les attend plutôt pour l'année prochaine. Ouais, parce que c'est quand même ce discours, il est quand même radicalement opposé à ce qu'il a déclaré il y a quelque temps. Hein, parce que quand on lui avait posé la question en lui disant est-ce que c'est une décision sur son avenir qui viendra plus tard, il a dit non, ça sera à assez court terme et qu'en gros, il n'avait pas le temps de patienter. Donc c'est aujourd'hui, maintenant, il faut totalement faire entre guillemets un reset, Michel. Pour se projeter maintenant de façon beaucoup plus positive. Et comme vient de le dire Thomas, il faudra attendre. D'ailleurs, Fabio, il l'a dit hein, durant la conférence de presse, pas avant la mi-saison pour voir vraiment quelque chose de différent.
J'imagine que dans le contrat qu'il vient de signer, c'est quand même écrit noir sur blanc qu'il va devoir être beaucoup plus positif dans son discours. Ça paraît évident. Voilà. Encore une fois, il y a quand même un montant conséquent, même si on n'en a pas les détails. Et voilà, c'est lié quand même à une attitude et en tout cas des commentaires qui seront tous sauf négatifs. Après, d'un point de vue, j'allais dire tactique, si l'on peut s'exprimer ainsi, on sait que cette année, il y avait 17 pilotes qui étaient en fin de contrat. Globalement, les contrats, c'est sur 2 ans, hein, généralement. Finalement, Fabio, il se replace idéalement par rapport à la fin d'un cycle qui va arriver en 2026, puisque 2027, il y aura un nouveau règlement. Tu nous l'as déjà expliqué, Michel. Finalement, on peut dire que c'est finalement bien joué de sa part de replonger chez Honda, chez Yamaha, de prolonger chez Yamaha pour travailler et puis se remettre sur le marché en espérant que la Yamaha ait progressé et pourquoi pas viser autre chose ailleurs. Bah après, s'il avait signé chez Aprilia, c'était pareil, hein, il aurait signé pour 2 ans, donc ça change pas grand-chose. La majorité des contrats sont sur renouvelés, comme tu l'as dit, c'est 25-26, donc ça changeait rien. Voilà, il a fait le choix, il a fait le choix qu'il a fait. Voilà, moi je pense que même s'il il cherche à nous l'expliquer autrement, c'est quand même un choix qui est avant tout financier. Voilà, il a 25 ans, il aura 27 ans dans 2 ans, donc il peut se dire voilà, pendant 2 ans, même si j'ai pas la moto pour gagner, je vais quand même assurer mes arrières et mon compte en banque. Et puis, j'aurai encore 27 ans dans 2 ans. Il y aura un nouveau règlement. On sait pas qui d'ici là aura fait la meilleure des motos. Donc, voilà. C'est un choix. Après, je veux dire, qu'il se fasse aujourd'hui critiquer pour le choix, un choix financier, c'est son choix à lui. Ça se respecte. Il n'y a pas essayé de lui trouver des excuses de dire non, il a pas signé pour l'argent. S'il a signé pour l'argent, c'est pas qu'il a envie de gagner sa vie du mieux possible. Voilà, je vois pas en quoi c'est critiquable. Je vais rajouter un petit truc là pour avoir discuté avec Romaldo Alvesiano tout à l'heure, le directeur technique d'Aprilia, en parlant du nouveau règlement justement. Il précisait quand même que ce nouveau règlement qui va entrer en place donc en 2027 avec normalement des cylindrées différentes entre 800 et 850 cm3, disait que ça va aussi en termes de budget pour les constructeurs les épuiser parce qu'en fait ils vont devoir mettre au point une moto pendant que ils vont devoir maintenir une moto jusqu'à 2026. Donc, on peut imaginer aussi que le budget ou les reins de Yamaha sont peut-être un peu plus conséquents justement pour assurer la pérennité d'une M1 jusqu'à 2027, jusqu'à 2026, pardon, et plutôt qu'une Aprilia. Ça peut être aussi un argument en faveur de Fabio, tu vois. Ouais, c'est exactement ce que j'allais te poser comme question, Thomas, puisque t'es quand même assez ciblé technique aussi. Et d'ailleurs, Fabio l'a un peu dit comme ça, puisque dans la conférence de presse, il disait que il avait des garanties sur le budget investi jusqu'en 2027. Et justement, j'allais te dire, Thomas, est-ce que c'est pas plus facile de se dire que quand on est chez Yamaha, si on doit développer une nouvelle moto, on a certainement les reins, une assise financière plus importante que si on avait signé chez Aprilia pour un projet qui va être quand même évidemment plus difficile à mener de front, comme tu viens de l'expliquer. En tout cas, c'est ce que pense notamment Romano Alvesiano, effectivement, que ça va être très coûteux pour les constructeurs de mettre au point une moto en même temps de maintenir l'autre. Ouais. Donc, vas-y, Michel. Ouais. Donc, si c'est va être vu, voilà, vu ce que nous annonce Romano Alvesiano, ça va être effectivement coûteux de développer une nouvelle moto. Ça laisse penser que chez Yamaha, ils vont pas pouvoir faire des miracles sur les 2 années à venir et que donc, voilà, Fabio Quartararo aura du mal à briller sur les 2 années à venir. D'autant que Yamaha a fait le choix de mettre beaucoup d'argent dans le contrat de ses pilotes, enfin, en tout cas de son pilote phare. Ce n'est pas le cas, ni chez Ducati, ni chez Aprilia, ni chez KTM, les 3 constructeurs européens. Mettre les budgets, enfin l'essentiel de leur budget compétition dans le matériel et pas dans les pilotes. Donc voilà, c'est aussi notre approche entre les Japonais. Alors, je sais pas si les Japonais, on va dire qu'ils ont plus de respect pour les pilotes. En tout cas, ils considèrent la valeur pilote peut-être mieux que ne le font les constructeurs européens. En tout cas, voilà, les constructeurs européens, en tout cas Ducati, si on prend la référence de Ducati, voilà, ils payent beaucoup moins les pilotes, mais ils ont la meilleure moto. Et donc, forcément, les pilotes qui veulent gagner, ils veulent une Ducati et ils acceptent d'avoir moins d'argent. Donc, c'est des approches assez différentes.
C'est ce dont on avait parlé l'an dernier, hein, si je me rappelle bien, en disant, quand tu parlais justement des problèmes des Japonais, c'est qu'il y avait, entre guillemets, une sacralisation des pilotes par rapport à la moto, qui n'est plus cette considération qu'on a en Europe aujourd'hui, où on dit, bah, tu veux gagner, c'est cette moto, mais c'est à ces conditions. Après, c'est à toi de voir. Et quelque part, ça rejoint un petit peu, même si le cheminement est différent, ça rejoint un petit peu ce qu'a fait Marquez cette année en se disant, bon, lui, il a une assise financière qui a été mise en place depuis de nombreuses saisons chez Honda, mais en gros, il a fait le pari quand même de se dire, moi, je me focalise plus sur l'argent, c'est vrai qu'il en a assez, mais je veux le sportif et je veux une Ducati. C'est ça. Pour résumer. Non, mais c'est important aussi. Et ça va peut-être aussi conditionner le marché, parce que là, les places de choix, elles vont forcément être de plus en plus restreintes. Hein. Il reste éventuellement une place chez Ducati, et encore, c'est pas dit que Bastianini perde sa place. Il va rester quoi? Et ensuite, après, il reste quoi? Il reste pas de place chez KTM, parce qu'on sait que c'est Acosta qui va prendre la place de Jack Miller. Globalement, maintenant, il va falloir faire des choix plus tactiques que de carrière, non? Vous m'avez Vas-y, perdu. Michel. Non, mais oui, enfin, je pense Non, qu'on non, a fait un peu oui. le tour du sujet. Moi, je pense que voilà, les 2 années à venir, pour les raisons qu'on a évoquées, à savoir un nouveau règlement de 2027, je pense qu'il ne va pas falloir s'attendre à des progrès radicaux des motos telles qu'elles soient. Donc, à mon avis, le rapport de force actuel, il va plus ou moins rester le même sur les 2 saisons qui viennent. Donc après, voilà, aujourd'hui, les choix, ça va être des choix financiers, ça va être peut-être des choix par rapport à l'avenir, se dire, miser, ben oui, si Ducati est fort, les meilleurs aujourd'hui, ils seront encore les meilleurs en 2027, même si on interdit, enfin, si l'aérodynamique est très limitée, même si, voilà, on sait pas trop ce que va donner ce nouveau règlement. Parce que, y a aussi un élément dont on n'a pas parlé, c'est le rachat d'Orna par Liberty Media. J'imagine que les gens qui ont acheté le bébé, là, ils vont aussi se pencher sur ce règlement. Ils vont avoir leur mot à dire pour dire, voilà, nous, ce qu'on veut, l'équation qu'on veut pour 2027, c'est plus de spectacles, des motos qui se doublent plus facilement. Voilà, on sait pas trop où ils veulent emmener ce championnat. Donc, est-ce que les discussions qui sont en cours actuellement pour ce règlement, elles vont être différées? Voilà, c'est une question aussi. Et ouais, là je vois la question de Clément qui revient un petit peu à ce qu'on disait en disant est-ce qu'on va quand même accorder beaucoup de budget au développement sur 2 saisons, sachant qu'à terme il y aura un abandon de cette catégorie pour une autre, un autre type de moto. Donc ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire, Michel, et ce que tu viens de dire aussi, Thomas, c'est-à-dire le côté budgétaire et d'un autre côté le budget organisa enfin le côté organisateur. Où bah, les deux sont peut-être pas forcément compatibles. Parce que d'un côté, on recherche la performance, de l'autre côté, on va rechercher comment dire, la crédibilité du championnat et donc peut-être privilégier un côté spectaculaire plutôt que performance pure. Ça, on sait pas. Clairement, on saura pas. Hein. Ça, je sais. Là, on parle sur des choses. Encore une fois, là, je discutais avec Romano Albesiano. Il disait qu'il allait quand même y avoir quelques progrès à venir sur les motos d'ici 2027, notamment surtout sur les devices. Lui, il voit qu'il y a beaucoup de progrès qui vont être faits sur les départs et sur les sorties de virage encore. Il y a beaucoup de travail qui, malgré tout, est fait là-dessus. Donc, il pense que ça va encore aller un peu plus vite d'ici les prochaines années. Donc, après, pour répondre à ta question à partir de 2027, ça, on ne sait pas. Dans l'idée, il n'y aura plus les devices, l'aéro sera limité, il y aura une cylindrée beaucoup moindre, contrairement au passage des 990 à 800, il y a quelques années, ce sera géré différemment. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait quand même avoir des puissances qui étaient similaires. Là, ce sera pas le cas. On aura des motos qui seront moins rapides, ça, c'est sûr. Moto, je serai moins rapide après. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question, mais je te donne des éléments. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on se projette un petit peu loin et que pour l'instant, on n'a ni les tenants ni les aboutissants. Bon, on va se recentrer sur Fabio, messieurs. Maintenant, on sait, il est avec Yamaha pour les 2 prochaines saisons. Maintenant, l'actualité, c'est ce Grand Prix des Amériques. L'année dernière, il avait fait podium.
Cette année, on va pas se voiler la face, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce Grand Prix des Amériques pour Fabio, Michel? Eh bien, écoute, on en saura un petit peu plus demain. On va laisser rouler tous ces garçons. On l'attendait pas l'an dernier sur ce circuit, donc voilà, peut-être qu'on aura une bonne surprise. Mais difficile de donner un avis. Enfin, me concernant, j'ai pas trop d'avis sur le sujet, Eric. D'accord. J'allais dire Fabio. Thomas, Thomas, qu'est-ce que t'en Ah penses non, bah sur... écoute. Après, si tu veux, tout à l'heure, j'ai assisté au débrief de Rins. Il ne faut pas oublier que Rins, l'année dernière, a gagné sur la Honda, alors qu'on l'attendait pas qu'il gagne. On n'attendait pas qu'il gagne sur la Honda. Une course sur la Honda, justement. Donc lui, il en rêve cette année. C'est un circuit qui lui correspond. Il ne sait même pas pourquoi ce circuit lui correspond. Il convient très bien, qu'il est rapide. Donc voilà, ça reste un pilote Yamaha. Et ça peut être lui, par contre, qui puisse créer la surprise ce week-end, quoi. Ouais. Après, il y a une ligne droite d'un kilomètre deux. Ça va pas être toujours facile. Il y avait une question qui est passée aussi. On parlait justement de l'importance de signer assez tôt par rapport au salaire, etc. Et c'est vrai que je crois que c'est Magali qui disait ça. L'émergence des jeunes talents et des jeunes talents qui arrivent dans la catégorie reine, ils ont surtout les dents longues et ils sont prêts à plus faire des concessions sur les salaires que les pilotes établis. Ça aussi, ça peut changer la donne et c'est peut-être bien aussi que Fabio ait signé assez rapidement. Ça, je suis moins d'accord avec ça parce que aujourd'hui, il faut pas oublier que le règlement a changé il y a 2-3 ans sur le fait que maintenant les pilotes en MotoGP plus au Grand Prix avant 18 ans. Il y a que quelques perles rares, on va dire, des talents qui ont performé dans les catégories telles que la Red Bull Rookies Cup, comme Pedro Acosta, comme les champions du monde junior GP ou autres, qui eux ont une dérogation pour arriver avant 18 ans. Mais en tout cas, les pilotes jeunes, comme on a connu à l'âge de 19 ans, ça va être de plus en plus rare. Les records de précocité seront de plus en plus rares. Donc, il va falloir qu'ils aient une carrière établie en Moto 3, en Moto 2, donc ça va arriver beaucoup plus tard en Moto GP. Donc, je ne sais pas si cet argument tiendra dans quelques années, en tout cas. Très juste, très juste. Merci Thomas. Messieurs, écoutez, on va pas vous garder plus longtemps. Je sais que vous avez encore du travail. Il est quelle heure là-bas? Il est 14h, c'est ça, hein, chez vous? C'est C'est ça. ça. D'accord. Bah écoutez, en tout cas, merci de votre disponibilité suite à cette conférence de presse où Fabio Quartararo était convié. On se donne rendez-vous lundi à 18h pour débriefer ce Grand Prix des Amériques. D'ici là, bon travail, bon week-end, bon Grand Prix Michel, bon Grand Prix Thomas. Merci beaucoup. Et puis, bah, quant Merci. à nous, je vous le donne rendez-vous d'ores et déjà pour lundi soir à 18h. On sera en direct avec Michel et Thomas pour débriefer les courses de ce week-end américain. Merci de votre audience, merci de votre fidélité et nous, on se retrouve donc lundi. Bon week-end et bon Grand Prix!